Salut, c'est Kaliana et on continue avec l'ouverture de cartes Pokémon. Alors aujourd'hui, on a cette boîte là. Donc, c'est la V-Star avec des Pokémon Shiny. Donc, celle-là, c'est la version coréenne. Hein, parce qu'elle est beaucoup moins chère que la version japonaise. Eh oui, entre 20 et 30 euros moins cher. Mais on s'en fiche, c'est pas grave. Ça, c'est des cartes Pokémon. Alors bien sûr, on peut avoir Dracaufeu Shiny, Salarcène Shiny, le Métamorphe, le Lucklass. Mais moi, le seul Shiny que j'ai réussi à avoir dans celle-là, c'est... Attendez, je vais vous le montrer. Ah, j'en ai eu deux, hein. J'ai quand même eu de la chance. J'en ai eu deux. Et c'est... Où est-ce qu'il est? Voilà! Ce magnifique Nigosier Shiny. Et en double. Bon, pas dans la même boîte, hein, mais... J'ai un peu les nerfs. J'adore Nigosier, hein. Il est stylé en orange. Il est stylé, mais bon, j'aurais préféré en avoir un autre. Je vais rapprocher la poubelle. Hein, pour pas en mettre partout. Donc... essayer de pas massacrer la boîte. Il y a la liste. Voilà. Donc ça, je vous le montrerai pas. Alors. Donc, 2, 4, 6. Donc, 10 boosters. Voilà. Allez, c'est parti. On ouvre le premier. Donc, on va pas leur voler. Hein. Alors, la petite pomme. Alors, excusez-moi, mais les noms des Pokémon, il y en a certains, je ne sais plus. Ouh, un holo. Alors celui-là c'est l'évolution de Sauf qui pousse, je ne sais plus son nom. Ah, une autre holo. Zacian. Ouh, premier shiny. Je ne sais plus le nom du shiny. C'est... Alors attendez. Je ne sais plus le nom de ce sale Pokémon. C'est... Minésange, voilà. Minésange Shiny. Et derrière... Alors ça c'est la coccinelle. Astronelle. En holographique. Non, ça c'est une reverse. Booster.
Ah, le voie au ciseau, ça sera pour. Ah, il y a une petite ouverture facile. Alors, oh là là. Les flèches, la forêt. Oh, galopade gala. J'avais pas eu celle-là encore. La double énergie. Duraligon en holo. Ouh. Alors, le dragon spectre. Je me souviens plus du nom, c'est horrible. Ouh, Loclasse. Et le petit scolopendre. Mais elle est bizarre, Loclasse, je trouve. Je sais pas, elle a une tête bizarre, Loclasse. Une petite ouverture facile. Ouh. Goupilou. Bah, celui-là, je m'en souviens quand même. Ma mémoire de pinceau rouge n'est pas passée par là. Tuxitap. Vert pomme. Alors celui-là je m'en souviens plus, désolé. La potion Toriyama qui est très beau. L'évolution du Voltoutou. Ah, va falloir que je révise les noms des Pokémon, hein, sérieux. Hein. Ah ouais. Gorythmique. Et Toxizap en reverse. Même plus simple quand c'est marqué en français. Alors celui-ci, c'est si la caméra voulait bien faire le point. Voilà. La petite chenille. Flambino. J'avais pas vu Flambino. Alors c'est l'évolution de Rangourmand. Le scolopendre. Ouais, désolé, hein, j'ai pas de mémoire en ce moment. L'avez vu. Vous l'avez vu. Là, je sais plus. Et le Dracaufeu. Ouais, le Dracaufeu. Et derrière, l'épée de Zacian en reverse. Celle-là, je la voulais, mais je la voulais! Je la voulais! Je l'ai eu, elle est là. Où est-ce que j'ai mis mes trucs? J'ai ça. Elle est belle, non? Et j'ai mis mes. Voilà. Voilà, on va la mettre là. C'est bon, vous la voyez bien? Alors, l'Armélion, et là je sais plus, le Sauve-qui-pou, énergie électrique,
Alors celui-là, j'ai cherché ce matin. Exagide, voilà. Peterson. La grand-mère. Oh là là. Évolution de Sauve Kipou. Le lot classe G-Max. Et, ouh, Goupilou en reverse. Qui fait très mal aux yeux. Voit pas le Goupilou. Hein. Il me semble que l'autre classe, je l'ai déjà eu. Faudrait que je regarde. Alors, ça m'abrille, ça m'abrille. Il en reste combien? 2, 4. On est à la moitié. Allez, fais le point. Voilà. Bien sûr, Maman Noire de Poisson Rouge, La Petite Fleur. Le Monsieur Mime de Galard. T'es froid. Tout en cas faire, je crois. Ouais. La cape. Encore celui-là. Encore un V. Ouh, Métamorphe V. Je crois que je l'ai déjà, celle-là. Et derrière, Pachirajo Shiny, que j'ai déjà, je crois. L'armée Léon. Mandibou, Smogo, je m'en souviens plus, l'énergie, je m'en souviens plus non plus, ah, Zamazenta en holographique, ouh, Mandibou et Flèche, et le hibou. Holographique, Dispareptile, voilà, c'est Dispareptile et Toxizap en reverse qu'on a déjà eu. Flamino, Kelocroc, un hibou, les tout moches, une énergie, ça l'a déjà vu. Ah! Bonjour la mémoire. Bon, le crapaud en reverse. Ouh! Celle-ci en reverse aussi. Et le crioc que j'ai déjà eu d'ailleurs. Ça fait la troisième fois que je l'ai celle-là. Et une énergie en reverse. Celle-là, ouais, ça fait 3 fois que je l'ai celle-là. Allez, avant-dernier. Attendez, je regarde parce que je sais plus les noms. Collodome, voilà. Zigzaton de Galar. Le Motisma. Celui-là, je sais plus. Celui-là, il est moche, je l'aime pas. Ouh, le Suicune en holo.
Je l'ai pas celle-là, je crois. Smomogogo de Galar en holo. Zamazenta en V. Et Goupilou en reverse. Le dernier. Alors, quoi note-t-on ? Le Muse de Galar, Ponyta de Galar, Lacmé Signe, Énergie électrique. Ah, celui-là, j'aime bien, je sais plus son nom. Attendez, je regarde. C'est. Si je le trouve. Bon, vaut mieux le dire dans les commentaires. Le Hixon de Galar en holographique. Salarsen en V. Ouh, et Rongourmand en shiny. Et la dernière, c'est... Oh, c'est la Pyro en reverse. Bon, meilleur ouverture de cartes Pokémon, non? On va pas cracher sur le Dracaufeu. Il veut bien faire. Oui. Voilà, voilà. Bon, c'est une carte coréenne. Hein, parce que... Elle est comme les autres. Hein. Bon, je vous laisse sur cette magnifique image de Dracaufeu Shiny Vegamax. Allez, à la prochaine!